Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Au sommaire de cette édition, le plan militaire de l'offensive contre Rafah est acté. Son exécution n'est à présent qu'une question de temps. L'ONU redoute une véritable catastrophe dans cette ville sans issue où vivent plus de 1,4 million de civils. Dans le même temps, de nombreux pays occidentaux annoncent la reprise des aides à l'UNRWA par crainte d'être poursuivis pour complicité de génocide par la CIJ, la Cour internationale de justice. Dans le reste de l'actualité, une semaine s'est quasiment écoulée depuis le début du mois sacré. Plusieurs reportages sont à suivre dans cette édition. Parmi ces reportages, celui dédié au café Malakoff du feu Mohamed Al-Hanqa, ouvert récemment. Et puis sport football, le nouveau sélectionneur national a dévoilé sa liste en prévision du tournoi FIFA Série 2024. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le pire pourrait s'abattre sur Rafah dans les heures ou les jours à venir. Le plan militaire de l'offensive sur cette ville située à l'extrême sud de Gaza a été approuvé par le premier ministre de l'entité sioniste, rapporte des médias occidentaux. Rafah, dernier bastion des réfugiés palestiniens, accueille plus de 1,4 million de civils qui ne disposent, je vous le rappelle, d'aucune issue de secours. Une opération militaire sur cette ville serait catastrophique selon l'ONU. Kalima Hasnaoui. Netanyahu a rejeté hier au cours d'une réunion du cabinet de guerre sioniste la dernière proposition avancée par la résistance palestinienne, le Hamas, pour un cessez-le-feu et a approuvé les plans opérationnels militaires pour une offensive imminente dans la ville de Rafah, le dernier refuge des Palestiniens de la bande de Gaza. Le premier ministre sioniste Benjamin Netanyahu a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une question de « si » il doit y avoir une offensive à Rafah, mais de quand l'opération doit débuter. Le plan militaire d'offensive et ses détails seront discutés aujourd'hui au cours d'une réunion du cabinet de guerre selon les médias sionistes. Cette nouvelle déclaration de Netanyahu intervient au lendemain de la proposition de la résistance palestinienne Hamas pour une éventuelle trêve humanitaire et un échange de prisonniers. Quelle lecture faire de cette annonce du responsable sioniste? Il existe plusieurs explications selon des médias occidentaux, citant des médias hébreux. D'abord, cette annonce peut servir à l'occupant sioniste dans le cadre des négociations sur un accord des prisonniers de guerre pour faire pression sur la résistance palestinienne. Autrement dit, s'il n'y a pas d'accord de trêve, l'entité sioniste entamera ses opérations terrestres sans même évacuer les civils palestiniens. Il s'agit d'un autre côté d'une réponse, d'une tentative de réponse de Netanyahou pour calmer le front interne et de rallier les ministres de son régime d'apartheid qui exigeaient déjà une opération terrestre à Rafah au cours du mois sacré de Ramadan. Ce plan a suscité une intense consternation de la communauté internationale, à leur tête les États-Unis, les Américains qui, certes, condamnent, mais ne rejettent pas une future offensive à Rafah, cette ville qui accueille désormais plus d'un million de Palestiniens réfugiés du nord et du centre de la bande, forcés à l'exode par l'occupant israélien. Le Qatar s'apprête à accueillir de nouvelles négociations en vue d'une trêve et l'échange de prisonniers. Les délégations des deux parties sont attendues incessamment à Doha. Les États-Unis ont exprimé un optimisme prudent à l'égard de ces négociations, rapporte le porte-parole de la Maison-Blanche. Le Qatar, qui appelle à mener des enquêtes rapides, indépendantes et impartiales sur les crimes des forces d'occupation sionistes commis à l'encontre des journalistes dans la bande de Gaza. Ils sont plus de 130 à avoir été tués depuis le début de la guerre. Un certain nombre de pays occidentaux annoncent la reprise de leur financement à l'UNRWA, l'Office de secours pour les réfugiés palestiniens, dernier en date le Danemark. Loin d'être un sursaut d'humanité, ces pays craignent tout simplement d'être poursuivis pour complicité de génocide. Les explications de Maître Thierry Boumedienne, avocate au bureau du Val d'Oise, membre du collectif Avocats pour la Palestine. Elle est contactée par Kalima Hasnaoui. Ils mangent un petit repas et dans leur repas, il n'y a rien. Un verre d'eau, un petit morceau de pain, à part ça, il n'y a rien. Il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de viande. Toutes les terres agricoles, surtout au nord de la bande de Gaza, elles ont été détruites. Mais cette situation est horrible. Sans oublier que les avions parachutés, ça veut dire les aides parachutées, n'arrivent pas à la population. Souvent, elles tombent dans la mer de Gaza. Soit elles tombent sur le toit des maisons pour écraser et pour tuer les Palestiniens de Gaza. Pour que les aides arrivent, il fallait un organisme international
qui assure l'acheminement des aides de passage de Rafah ou de passage de Kerem Shalom jusqu'à la ville de Gaza, jusqu'à le nord de la bande de Gaza d'une façon officielle et distribuer ça pour les boulangeries, pour la population civile qui attend toujours avec impatience l'arrivée des aides. Or, quand les aides arrivent, il y a toujours des tirs, il y a toujours des morts et des blessés. La cargaison du premier bateau d'aide humanitaire arrivé hier dans la bande de Gaza depuis Chypre a été déchargée et va pouvoir être distribuée à la population menacée de famine après plus de 5 mois de guerre, a indiqué ce samedi l'ONG en charge de l'opération. Les Nations Unies, l'Union Européenne et de nombreux pays à travers le monde ont salué la nomination de Mohamed Mustafa au poste de nouveau chef du gouvernement palestinien et exprimé leur engagement à travailler en étroite collaboration avec lui en ces temps difficiles. Dans l'actualité, le chef de la diplomatie algérienne était hier à Addis Abeba. Il a mis en avant la position de l'Algérie concernant les élections des hauts responsables de la Commission de l'Union africaine, une position fondée sur des convictions qui permettent l'adoption d'une approche sélective à grande échelle entre les 5 régions. Une semaine s'est quasiment écoulée depuis le début du Ramadan, un mois durant lequel on porte une grande attention à ce que l'on met dans nos assiettes, à la fois en termes de quantité et de qualité. La qualité, vous en trouverez dans les produits proposés dans les épiceries fines. Elles sont de plus en plus nombreuses à ouvrir, notamment à Alger. Reportage de Solaya Roslan. Durant ce mois sacré, les épices et les autres condiments jouent une place importante. Aujourd'hui, elles sont nombreuses à mettre le prix pour acheter des épices de qualité. Témoignage. C'est certain qu'il faut avoir de bonne qualité. Moi, je me base sur le poivre noir, le sel, le cumin. Des épices Agda, il faut vraiment choper de bonne qualité. Surtout au mois de Ramadan, il faut avoir des épices Agda. Quelques épices, surtout que maintenant, on a beaucoup de magasins d'épices. On a beaucoup de choix. On se base sur quelques épices pour faire la cuisine. Pas du tout, pas n'importe où. De bonne qualité, je préfère. Je vais mettre le prix et acheter quelque chose de bien. Les échoppes d'épices prises d'assaut durant cette période, de plus en plus de commerces investissent dans ce créneau qui reste florissant. Vendeuse dans une boutique d'épices à Alger, ML fait l'éloge des mélanges d'épices, précisant que la plupart des clientes optent pour des produits de qualité pour agrémenter leurs plats. Je vois que les clientes qui viennent là, ils veulent acheter de qualité, mais ils mangent le prix. Apparemment, quand ils savent qu'ils aiment chaud les épices par là. تجوز حاجة واحدة أخرى يحوس على حاجة مقية احنا عندنا هنا البلارات مغلوقين كلش مغلوق بون لي زيبيس دو باز لي فاماجي يجيو يحوس على لي زيبيس دو باز باسكو كاين يجيو يحبوا ديكوفريو لي ميلونج تاع شوربة فريك بوغ رمضان حريرة دو كومان ان باسون بار لو فامو راس الحانوت او بابريكا اي بوافر نوار لي زيبيس سي انكونتورنابل دو بلوز ان بلو كونفواتي بور لور كاليتي اروماتيك اي غوستاتيف دون لا غاسترونومي الجيريان. Ramadan au Palais, une foire commerciale où l'on trouve de tout. Cela va de l'alimentaire à l'électroménager, en passant par la vaisselle. Bref, tout ce dont l'on a généralement besoin durant ce mois-ci. La manifestation se déroule à la SAFEX d'Alger et attire bon nombre de clients. Reportage cette fois-ci de Smaïl Mimouni. En ce 6e jour du mois de Ramadan, la foire connaît une forte affluence de visiteurs. Ahmed, Souhila et Farid sont satisfaits d'avoir trouvé les produits dont ils ont besoin à des prix raisonnables. J'ai constaté que le rayon qui est plein, c'est le rayon de la boucherie. Il y a des gens qui viennent de partout apparemment. Les prix vraiment sont raisonnables du mandataire au consommateur. Les gâteaux comme ça et des olives, vraiment c'est d'or à 600 dinars, ici c'est à 400 dinars le kilo. On a le choix entre la viande brésilienne et la viande espagnole et la local. Le prix, il est raisonnable. 1190 dinars le kilo. Bon, c'est la troisième fois que je viens. Masha'Allah. J'habite tout près. Donc, les légumes, les frais, tout est à la portée du citoyen. Pour la majorité des exposants, l'engouement des clients n'est pas nouveau. Les prix sont à la portée du consommateur. Il y a beaucoup de clients. Les jetés en AOMG. Il y a des promotions. Il y a des packs. Il y a 20% et 40% de réduction. Chaque année, il y a une foire à dire. Il y a beaucoup de clients. C'est le flan et la levure chimique et le sucre vanillé. Mais je casse le produit directement. On a vu le ham à l'importation. On a le habra 118 000, tu as le Brésil. On a le biftec, tu as l'Espagne. 1300 dinars. La quantité de l'indibouakame, on a le client. La 4e édition de la foire commerciale Ramadan au Palais de la SAFEX d'Alger se poursuivra jusqu'au 5 avril prochain et la disponibilité des produits est assurée tout au long du mois sacré.
Le ramadan dans nos régions a commencé par Djelfa. Les journées sont généralement paisibles dans le sud et elles le sont davantage durant ce mois sacré. Les seuls endroits à connaître une certaine effervescence sont les marchés de proximité, ouverts spécialement pour l'occasion. Notre correspondant, Djilali Wolsofrani. À Djelfa, en ce ramadan béni, les 12 chefs-lieux de Daïra se sont dotés de marchés de proximité. Au total, ils sont 13 pour proposer des produits de large consommation et certains excellents fruits et légumes. De l'avis général, les prix proposés sont relativement abordables. Les produits antécédemment sous tension et qui avaient connu des pénuries sont aujourd'hui largement étalés, tels que l'huile, les farines et semoules. Quant aux légumineuses, elles sont proposées à des prix administrés et relativement à la hauteur des bourses. De Djelfa, Djilali Wolsofrani pour Algéchin 3. Alors que le gaspillage atteint des proportions effrayantes durant le ramadan, à Khardaya, on a installé des bacs afin de recycler les matières organiques pour en faire du compost. Les détails avec notre correspondant Mahfoud Karkar. Comme un geste citoyen pour éviter le gaspillage, la fondation Hamidoullah Tafilet Tejdit Binizgan a procédé à l'implantation de bacs pour collecter les ordures organiques. Le conseiller technique Hamidoul Haj Omar Yagoub. Le projet avec le PNUD, récemment, on a créé un système de bacs et réparti dans différents quartiers. On a implanté entre 6 et 8 bacs pour voir comment ça donne et puis on va généraliser sur l'ensemble de la cité. C'est un bac conçu techniquement pour que le citoyen il ne jette que les déchets organiques. Une expérience déjà menée, celle d'un contrat avec des familles pour la collecte des ordures organiques. L'expérience qui a donné ses fruits a amené les gens à nous assurer un tri de déchets organiques. Bien sûr, la cellule familiale elle a des épluches, de légumes, le restant du pain, le restant du manger. Pour ne pas gaspiller ces éléments-là, on a créé un système de convention avec un échantillonnage de population. Et comme la fondation a un éco-parc animalier citoyen, nous ramène des déchets organiques traités. Au bout d'une période, en guise d'encouragement à cette famille, on leur donne 1 litre de lait de vache, et une petite plaque d'œufs et un poulet. La fondation Hamidoul espère créer sa déchetterie et procéder au compostage. De Redaya Mahfoud Karkar pour Radio Chaîne 3. Ramadan rime malheureusement avec accident. 2 personnes, 2 frères sont morts hier soir dans une collision entre 2 voitures survenue sur la RN14 au niveau du tronçon reliant Tiaret à Frenda. Les victimes sont décédées durant le trajet les menant à l'hôpital, rapporte la protection civile. Un montant de 80 millions de dinars a été alloué à la réhabilitation, à l'extension du service de réanimation du CHU Touhami Benflis à Batna, indique le directeur de l'établissement. À l'étranger, la présidentielle russe se poursuit pour le 2e jour consécutif. Le 1er jour du scrutin a été marqué par une large participation selon les autorités russes. 36% des électeurs ayant déjà voté pour départager les 4 candidats en lice, dont le président sortant Vladimir Poutine. Le président élu sera investi le 7 mai prochain pour un mandat de 6 ans. Direction à présent un endroit emblématique de la Casbah, la basse Casbah d'Alger, le café Malakoff qui retrouve une seconde jeunesse. Le café dont le dernier propriétaire n'était autre que le Hadj Mohamed Al-Anqa, véritable repère pour les amateurs de Chaabi. Ce café, à la fois musée, a rouvert récemment ses portes après avoir été entièrement restauré. L'endroit n'a cependant rien perdu de son âme d'antan. Reportage de Soraya Roslan. Si vous êtes de passage à Alger, ne ratez pas l'emblématique café Malakoff situé dans la galerie près du quartier Zouj Aïoun à la basse Casbah. Habitant la Casbah, Sid Ali Mohamed Karim se retrouve tous les soirs pour évoquer les souvenirs d'antan. Nous les avons rencontrés après la rupture du jeûne. C'est très bon de relancer la culture, surtout la basse Casbah. Un grand espoir. J'avais 18 ans quand j'ai commencé à fréquenter ce café. Il y a vécu des grands-pères. On l'appelle le café des
musicien. Conditions de la jeunesse soient sensibilisées dans l'art où elle sera présente. Sourire aux lèvres, Boubker, connu sous le nom de Bob, gérant et héritier du café, épaulé par Saïd et aux commandes. Le café Malakoff est riche en histoire. Il date de plus de 100 ans. Beaucoup de chanteurs et grandes figures sont passés par là. Depuis qu'on a racheté ce café, moi et mon défunt père, nous avons tout fait pour sauver cet édifice. Pour l'histoire, le café du duc de Malakoff était un îlot aux accès en forme de croix et grillagé et situé entre les chaussées de la rue du Vieux Palais et la rue de Bebloued en Basse-Casbah. Supervisant sa réhabilitation, la wilaya d'Alger ambitionne de restaurer d'autres sites et bâtisses historiques et archéologiques dans le secteur sauvegardé de la Casbah d'Alger, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est sur ces notes qu'on va passer au sport. Radouane Bendali, bonjour. Bonjour Siham. Alors, le football, avec d'abord le nouveau sélectionneur national qui a dévoilé sa liste pour le tournoi FIFA Série 2024. Oui, Vladimir Petkovic a retenu 31 joueurs en prévision du prochain stage de l'équipe nationale prévu du 18 au 26 mars au Centre technique national de Sidi Moussa, qui sera d'ailleurs précédé par une conférence de presse. La première liste du sélectionneur national est marquée par l'absence du capitaine des Verts, Riyad Mahrez, ainsi que le retour de plusieurs joueurs, entre autres le milieu offensif Yassine Brahimi, il y a également Saïd Barrahma qui revient, Yassine Benzia, Johan Hadjam qui évolue lui aussi en Suisse et qui revient, Bachir Belloumi, et Badreddine Bouanani qui seront également présents dans cette liste. Parmi les nouveautés de cette liste, eh bien, il y a la première sélection de Mohamed Amin Madani qui joue au CS Constantine, Mansaf Bakrar qui joue aux États-Unis, c'est une nouveauté, New York City, le club de New York City, et Hajj Moussa aux Pays-Bas, Kendossi qui joue en Égypte, Ferek Gitan qui sera pour la première fois également sélectionné, puisqu'il joue au Portugal, à Estoril. D'autre part, le sélectionneur Petkovic a renouvelé sa confiance aux autres cadres de l'équipe nationale, à l'instar de Ben Sbaini, Ben Nasser, Attal, Bounedjah, Ben Taleb ou encore Awar. Et puis, on constate également l'absence de Islam Slimani et Youssef Belaïli, deux joueurs précédemment qui faisaient partie de l'équipe nationale. On va passer au championnat national avec aujourd'hui la suite et la fin de la 20e journée. Oui, une 20e journée qui s'est étalée sur 3 jours. Il y a eu tout d'abord ce match de jeudi, Mouloudia d'Alger, vainqueur de l'AS Ochlef 6-3. L'ES Ben Aknoun hier a battu Magra 3-1. Le CS Constantine victorieux de l'US Souf 3-0. Le MCO qui a battu le Paradou Athletic Club 2-0. L'AGS Kabylie battu sur son terrain par l'Entente de Sétif 1-0. Et le CRB également battu par l'USM Alger 1-0 hier. Les deux derniers matchs, c'est aujourd'hui avec le Mouloudia d'El Bayed qui reçoit la JS Saoura à 15h30. L'US Biskra qui jouera à 22h face à l'USM Khan Cheikhlat, tous les matchs, bien sûr, retransmis en direct sur la chaîne 3 cet après-midi également. Merci Adouane Bendali. C'était la dernière information de ce journal réalisé par Ahmed Dadou. Merci également à Amine qui était à la technique, Nejma à la régie d'antenne et Mounier au streaming vidéo. Vous retrouvez tout de suite Amine Mounier pour la météo. Merci de votre fidélité.